évidemment vous commenter ce match avec Pierre Ménès. Alors cap sur l'Italie aujourd'hui avec de la Serie A et ce match très attendu. L'AC Milan face à Sassuolo. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Calabria. Cherche une solution là. Ballon bien négocié par le gardien. Le corner de Bonaventura à pleine surface. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Bon, dégagement sans se poser de questions. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Voici la compo de l'AC Milan. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec, hein. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais matchs. Ah, il parvient à stopper cette offensive. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Ah non, le ballon est perdu. Les matchs qui se succèdent, aucune équipe qui ne parvient à creuser l'écart sur ses poursuivants. C'est très très serré hein, cette saison. Ouais, bah on s'en plaindra pas parce que les saisons où tout est joué déjà à la tresse, c'est quand même pas bien folichon. Jérémy Bogard. Pedro Biang. Grégoire de Frel. Grégoire de Frel. Ballon rendu à l'adversaire. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Il faut trouver une option disponible. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Calabria. Ballon en profondeur. L'appel de balle et la passe en profondeur. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon. Magnifique. Le corner de Bonaventura à pleine surface. Oh, le centre peut-être. Théo Hernandez. Ah, excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Oh, mine de rien, il continue là d'avancer. Grégoire de Frel. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Rafael Leão en Terebić. Ah oui, la bonne passe. Mais la parade pour écarter le danger. Mais tout le monde la voyait au fond, mais finalement non. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Elle en s'est gâchée. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il poursuit son action. Il centre vers ses partenaires. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. Terebić. Est-ce qu'il va centrer? Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Pedro Biang. Grégoire de Frel. Grégoire de Frel. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. L'occasion pour prendre les devants. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Allez, le ballon, hein. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Il transforme son penalty. Le penalty à nouveau. Ah, il a parfaitement pris l'information avant de frapper. Et il a juste froidement le gardien. Très bon péno. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage.
Romagnoli. Théo Hernandez. Bon avant toi. La passe est coupée et bien défendue. Jérémy Bogard. Philippe Doricic. Il s'infiltre, attention. Grégoire de Frel. Il essaye de trouver la faille. Doricic. C'est loupé. Cette tête ne donnera rien. Ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal. Donc, du coup, c'est sans danger pour le gardien. Philippe Doricic. Passe et c'est rendu direct à l'adversaire. Et oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Philippe Doricic. Grégoire de Frel. Pedro Biang. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il y a de l'espace devant lui. Oh, c'est le gardien qui a le dernier mot. Eh bien joué, Pierre. Oui, il n'a pas offert de solution à l'attaquant. C'est bien joué. Ça sort. Corner à nouveau. Ah, il est bien tiré. Bien tiré le corner, là. Ouais, bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Philippe Doricic est en train de remonter le terrain. Ah non, le ballon est perdu. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Grégoire de Frel. Grégoire de Frel. Bon, il peut centrer. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Grégoire de Frel. Chercher une ouverture, bien sûr. On cherche la faille dans la défense adverse. Un ballon pour l'adversaire. On cherche des solutions, là. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Passer Milan, c'est un palmarès impressionnant. Un nombre absolument incroyable de trophées. Oh, que c'est bien donné, ça. Terebic. Et le défenseur qui a contré. Une touche, pas trop mal placée hein, pour l'AC Milan. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. Rafael Leão. Ah, ils perdent ce ballon. Ah, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien. Jérémy Bogard. Ah oui, c'est bien fait, ça. La passe est coupée et bien défendue. Le ballon qui sort avec un corner à venir, donc. Et carton jaune hein, qui est arrivé de façon un petit peu tardive. Ouais, on sent que l'arbitre a hésité. Attention à ce corner. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Peut-être un contre à amorcer avec. Ouais, la passe en profondeur, attention. Cherche une solution là. Un tir raté et pas qu'un peu. Terebic. Bon avant-toi. Théo Hernandez. Le tir. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Rafael Leão. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller au bout. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Philippe
Filip Doričić. Il s'empare du ballon. L'arbitre qui fait signe de jouer. Avantage pour l'AC Milan. Ouais, l'arbitre qui intervient. Ce sera un coup franc. Calabria. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? En profondeur, oui, bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ah, il va centrer. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Complètement raté cette passe. Il porte le ballon. Filip Doričić. Centre peut-être, allez. Doričić. Oh là-bas. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. L'ouverture. Filip Doričić. En Terebić. Ouais, il est bien placé pour centrer. Le centre au premier poteau. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Oh oui, encore une bonne passe. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Un ballon pour l'adversaire. Chercher une ouverture, bien sûr. Il cherche une solution. Il cherche des solutions, là. Il faut trouver une option disponible. Ah non, c'est pas bien fait ça. Jérémy Tandjan. Ibrahimovic. Anterebic. Ibrahimovic. Oh, il a pris un gros risque en taclant comme ça dans la surface. Grégoire de Frey, là. Non, elle a été interceptée, cette passe. Ouais, lumineuse, cette passe. Elle s'est gâchée. Giacomo Bonaventura. Oh, c'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Jérémy Tandjan. Pedro Biang. Grégoire de Frel. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Grégoire de Frel. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le gardien sauvé par son poteau. Un ballon qui est rendu au camp adverse. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, il est passé.
Il est bien placé, il peut centrer. Chercher une solution là. Attention, le tir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il essaye de trouver la faille. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça circule bien. Oh, l'occasion! Ouais, bonne prise de balle du gardien. Philippe Doricic. Les 30 derniers mètres. Et Ibrahimovic. Ibrahimovic, il a cherché un partenaire en profondeur, c'est bien joué. Un changement à venir pour Sassuolo. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Jérémy Toljan. Pedro Biang. Le porteur du ballon qui a toujours des solutions, ça joue bien. Ah, le mauvais passe, c'est rendu direct à l'adversaire. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Calabria. Ah, ça joue vers l'avant. Il est passé. Rentré pour un coéquipier. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Un but partout, les deux équipes dos à dos. La Tichéresse. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Attention, le défenseur est passé au travers. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Encore un ballon perdu, hein, décidément. Jérémy Toljan, Pedro Biang. Et ça circule sans problème, bonne conservation. Grégoire de Frel. Ils essaient de prendre le match à leur compte. On va avoir deux nouveaux éléments frais sur le terrain. Jérémy Toljan. Non, elle est interceptée cette passe. Il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes. Le Milan va essayer d'en profiter. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. On cherche une solution. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Il est passé. Et l'arrêt du gardien! Chercher une solution là. Oh, le gardien sur la trajectoire. Alors c'est tout de suite contré. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Vlad Tchitires. Pedro Biang. Grégoire de Frel. La frappe.
Voilà le but, on le sentait venir et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant l'idéal, vous serez confirmé. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là tu vois, tout vient de cette passe d'ess. C'est là que la différence se fait. L'AC Milan se retrouve donc mené. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un mauvais dégagement, mal fait. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Jérémy Bogard. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Faute sanctionnée, c'est un coup franc. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Pedro Biang. Il récupère le ballon. Excellente intervention. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Ouais, faute évidente. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Jérémy Toljan. Magnanelli. Il gagne du terrain. Cherche une ouverture, bien sûr. Attention. Un tir raté et pas qu'un peu. San Siro qui est sur le point d'exploser, Pierre. Ça pousse dans ces dernières minutes. Oui, ça pousse pour voir une égalisation. L'AC Milan est toujours mené d'un but. En profondeur, oui, bien vu. Il faut trouver une option disponible. Et le ballon bloqué par le gardien. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Zlatan Ibrahimovic. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. C'était le moment idéal pour égaliser et j'ai peur pour cette équipe que une telle occasion ne se représente pas. Magnanelli. Ça fait quand même pas mal de ballons perdus. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Il donne son ballon. La frappe, l'arrêt qui évite le pire. Allez, il reste encore un peu de la place pour égaliser. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Vlad Tchitchires. Ouais, très bon tacle. Ils ont l'air de croire à l'égalisation chez les supporters. Allez, il n'est plus tout seul. C'est contré. On cherche une solution.
Ah, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Magnanelli. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire, efficace. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Romagnoli. Ah, le ballon est récupéré, hein, force de harceler l'adversaire. Il faut trouver l'ouverture. Il est en position pour centrer. Le centre donnera rien, dommage. Le match qui s'achève donc à l'instant avec ce dernier coup de sifflet de l'arbitre. Les joueurs qui doivent s'incliner. Un match